notre vieille méfiance. On se méfie de tout. C'est comme ça qu'on s'est créé l'individualisme. L'individualisme arrive comme ça, parce que chacun de nous, regardons midi à notre porte, et on n'a plus cette vision grandiose. Donc cette perception qu'on avait, elle est limitée, et moi je parle d'une perception qui sort de ce petit confinement qu'on s'est fait, que je ne vois pas plus loin que moi. Donc pour voir au-delà de ce que je suis, ben, il faut sortir. Maintenant, c'est l'exercice qu'on tente de faire ici. Oui. Maintenant. Alors, si on arrive à voir ça, est-ce que cette liberté qu'on cherche, tous on cherche ça, hein, parce qu'on a toujours voulu ça, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on le peut faire là, maintenant, comme Farzad l'a dit? Parce que c'est essentiel qu'on puisse faire ça. Autrement, ça sert à quoi? Cette vie-là, ça sert à quoi de continuer comme ça? Moi, je parle d'un changement radical en soi. Radical. Quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. Non, je ne dis pas qu'on est des chiens. Hein. Mais la puce à l'oreille, dans le sens où on réalise quelque chose d'extraordinaire. Pour nous-mêmes, chacun d'entre nous, on a besoin de réaliser ça. C'est quoi qu'est-ce qui peut nous dégager de cette torpeur? Parce que c'est une torpeur qu'on est dedans. Parce que ce sont des histoires qu'on s'est racontées, et ces histoires nous ont subjugués, et on est pris avec, on joue avec tous les jours, et on n'arrive pas à lâcher. Le tout, c'est de pouvoir lâcher. Et est-ce qu'on peut lâcher? Parce que si tu comprends, qu'est-ce que tu tiens? Peut-être que le lâcher sera possible. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu tiens. Et tu tiens quoi? À la vie. Oui, mais la vie que tu tiens en ce moment, on disait que c'est tout un paquet de mémoires. Ok? Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est la mémoire de la vie que tu as vécue, de ce que tu as été. Mais toi, ce que tu veux, quand tu as cette mémoire-là, de vivre la vie que tu aimerais. Parce que ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas, tout ça. Donc tu rêves d'une vie qu'on aimerait vivre. Et on se dit, on se surprend des fois. Je dis, ben, si je gagne l'auto, je serai heureux. Tu vois, on se surprend à dire des choses stupides comme ça. Parce que, en fait, quand tu dis ça, tu rêves d'une vie, mais tu ne vis pas la vie qu'il y a. Mais la vie qu'il y a, c'est la chose la plus mondiale à faire. Et ça ne se passe pas demain, à l'issue d'une bataille. Ça se passe là, maintenant, là, entre nous, de vivre qui on est, d'exprimer la chose la plus sincère qui est en toi, sans avoir la barrière de tout ce que tu es devenu. Parce que ce que tu es devenu t'empêche d'être ce que tu es maintenant. Parce que toute ta vie, c'est un paquet. Tu as fait 10 minutes de yoga, 10 minutes de méditation par-ci, par-là, et puis tu es devenu un religieux extrême, tu pars vivre dans le Tibet là-bas, et tu montes sur la montagne, la roche écrite là-bas, tu deviens une espèce d'ermite. Hein, tu n'auras pas mieux, hein? Tu seras avec toi-même. Et c'est avec ce soi-là que tu dois comprendre. Et ça, tu peux aller n'importe où dans le monde. Tu seras toujours avec toi, avec tes problèmes, avec tes croyances et tout ça. Et c'est ça qu'il faut débusquer. Et c'est ça qui nous emmène à avoir une transformation radicale. C'est pas quelque chose que tu fais au fur et à mesure. C'est pas progressif. Non. Parce que le progrès, ça veut dire une méthode. Ça veut dire que demain, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, et j'aurai ça. Mais on a été habitué pendant combien de temps à faire ça? Toute notre vie, on nous a dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu auras une belle maison. On est habitué à faire ça. Et psychologiquement, on veut la même chose. On veut le progrès.
On veut progresser. Mais quand on fait ça, qui progresse? Est-ce qu'on peut faire en sorte que le moi progresse? Est-ce qu'on peut en faire en sorte que toute cette mémoire, ce paquet d'histoires qu'on se racontait, progresse? Tu vois la stupidité du progrès. On ne peut pas faire progresser ça. C'est quelque chose qui ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est. Il est comme ça. Il faut le reconnaître. Il faut le voir. On dit, il y a un temps, on n'avait pas de téléphone. Et maintenant, on a des téléphones portables, sans fil. Et on dit, ça, c'est le progrès. Oui, progrès technologique. Et on en a fait des progrès technologiques. Mais le progrès technologique ne nous a pas fait sortir d'un seul iota du progrès psychologique. Tu sais, l'homme de Cro-Magnon, avec sa petite pierre qu'il a taillée pointue, là, il a tué un cerf, et puis le gars de la tribu d'en face qui l'embêtait. Hein. Mais aujourd'hui, il n'a pas changé du tout. On appuie sur un bouton aujourd'hui. Donc on est civilisé aujourd'hui. Hein, on est civilisé. On fait mieux. Au lieu de se tuer un par un, on peut se tuer millier par millier. Oui, ben oui, c'est le progrès, tu vois. Mais je veux dire, ce progrès-là, il a tout son bénéfice aussi. Parce que, tu vois, le progrès vient comment? Le progrès, c'est la pensée. C'est parce que tu as mémorisé quelque chose hier. Einstein, il a compris certaines choses. Les autres scientifiques, ils ont pris la méthode qu'il a pris, et puis ils ont compris plein de choses. Et puis tout ça, on a concocté, puis on envoie dans le futur, et c'est mieux. On a le téléphone, on a plein de choses. On a aussi la bombe atomique, par contre. Hein, on a fait tout ça. Tout ça, c'est l'homme qui fabrique ça. Avec la pensée, avec la mémoire. C'est pour ça que l'intelligence n'est pas là. L'intelligence, elle est là seulement quand il n'y a plus cette mémoire. Quand on ne vit plus à travers cette mémoire qui nous fait faire que des conneries. Quand il n'y a plus de mémoire, ben, il y a ce que tu es vrai, ton être authentique, ce que tu es au plus profond de toi. Mais pour aller dégoter ça, ben, il faut que tu voies ce que tu n'es pas. Pas chercher ce que tu es, parce qu'on n'est rien, on ne peut pas trouver rien. On ne trouvera rien. Mais tu peux trouver ce que tu es en train de jouer, le rôle que tu es en train de jouer pour exister comme le monde aimerait. Tu vois? Et si tu vois ça là, ben c'est ça la transformation. Parce que tu n'as plus de tracas de te dire comment je vais réagir, comment je vais faire plaisir, comment je vais être quelqu'un. Tu as la liberté d'être vrai. D'être toi-même. Mais notre monde nous dit, mais il faut que tu... Non. Il ne faut pas que tu sois vrai. Fais plaisir à maman, fais plaisir à papa. Mon enfant a besoin de quelque chose. Donc tu es tout le temps esclave du désir des autres. Et tu vois, quand tu es ça, quand tu vis comme ça, et ben cette liberté devient impossible. Et dans cette souffrance que tu as, à ce moment-là où tu es esclave de ce que du désir des autres, tu es toujours en train de faire plaisir et tout ça, eh bien, tu es incapable d'aimer. Parce que tu es souffre, tu penses à toi. Il n'y a que toi qui compte. Moi, on parle de quelque chose pour se libérer de cette chose qui nous oppresse tout le temps. Pour être libre, libre de nos propres envies, de nos propres désirs, libre de nos peurs, libre de tout le concept de soi. Libre du concept même de liberté. Oui. Parce que justement, on peut tous expliquer c'est quoi la liberté. Liberté, égalité, fraternité. on peut tous raconter ça, on peut tous dire c'est quoi la liberté. On peut tous, tu sais, tous ici d'entre nous, si je vous demande c'est quoi l'amour, peut-être on peut arriver à exprimer le sens vrai de l'amour. On fait un tour de table alors? Allez. Même s'il n'y a pas de table. Oui, mais attends, laisse-moi finir avant, vas-y. Pour arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on a cette chose qu'on connaît, on a la vision de la liberté, le principe de c'est quoi aimer,
Alors il faut se poser la question. Est-ce que nous-mêmes, on sait c'est quoi? Comment existe cette chose? Qu'est-ce que c'est cette chose? Ou bien c'est juste un mot qu'on répète. On dit aimez-vous les uns les autres, puis après on continue pareil. On va se chamailler avec les autres. Hein? Mais c'est quand tu vis ça que tu connais c'est quoi. Mais l'être humain ne connaît pas c'est quoi ça. Parce qu'il en parle. Il dit je t'aime, je t'aimerai à condition que. Tu vois. Et jamais il a l'occasion parce que les choses ne sont pas à son goût. Jamais il aura l'occasion d'aimer. Parce qu'il attend que les choses soient à son goût. Donc, tant que ce n'est pas à ton goût, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas attendre que ce soit à ton goût. Et comme c'est jamais à ton goût, eh ben, l'humanité n'aime pas. On ne s'aime que soi. Oh, c'est quoi cet amour? Si grand, si beau que tout le monde veut. Et pourquoi on le veut? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre? Pourquoi on le veut? Pourquoi on le voudrait? Pourquoi on me donnerait de l'amour à moi? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? Pourquoi on me donnerait de l'amour? Pourquoi tu as besoin d'amour, toi? Parce que je le mérite. Ouais. Mais est-ce que tu le mérites? Est-ce que ça se mérite, l'amour? Je crois. Non, mais est-ce que ça se mérite, l'amour? Ou l'amour, c'est quelque chose qui arrive quand tu ne t'attends pas. Hein? Et tu vois, cet amour-là, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre. Parce que c'est quelque chose qui passe. Et si tu essayes de le mettre en cage, il n'existe pas. Tu vois? Et nous, on a l'habitude de prendre l'amour parce que ça nous donne un sens, remplit notre vide. Parce qu'on est constamment vide. On est rien. On a peur d'être rien. Donc on veut remplir ce vide parce qu'on a peur d'être rien. Donc on veut remplir ce vide, on dit « donne-moi de l'amour, mette là-dedans ». Mais tu vois, cet amour qui vient de l'autre là-bas, des gens, de tout là, ne peut pas remplir ce vide-là. Parce que ce vide-là, c'est l'amour. Et ce vide, il est en toi. Et il faut qu'il s'exprime de toi pour aller vers l'autre. Mais pas de l'autre vers toi. Ça ne marche pas dans l'autre sens. L'amour n'est pas quelque chose que tu peux prendre, c'est quelque chose que tu peux seulement donner. Et quand tu le donnes, tu es libre. Tu es libre de toutes tes tracasseries. Essaye, tu vas voir. Juste donne. N'attends rien, ne demande rien, ne veux rien. Et tu vas voir que tu es libre. Et c'est de ça qu'on parle ici. C'est de cette liberté d'être vrai et de vraiment considérer l'autre comme quelque chose qui est toi-même. Tu vois? Et si on ne fait pas ça, ben nous-mêmes, on sera dans le drame. Puisque si tu attends de l'amour, comme ça n'arrive pratiquement jamais, tu seras dans l'attente que ça viendra. Mais ça n'arrive jamais. Et tu attends. Et dans l'attente, tu es frustré. Et dans cette frustration-là, tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Parce que ton désir est tellement fort. Donc tu es prêt à prendre l'objet de ton désir, la mettre en cage, pour qu'elle soit toujours à côté de toi. Tu vois le désastre de notre société? C'est ça, notre société est un vrai désastre. Parce qu'on n'a pas compris cette chose tellement simple. Donc, allons voir si nous, en tant qu'êtres humains, on peut avoir cette envie de ne rien prendre. Et comment ça vient, ça? Si tu ne sais pas ce que tu es, ok, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu apprennes à savoir ce que tu es pour pouvoir comprendre que tu n'es pas rien. Tu es rien. Et ce rien n'a rien à donner. Moi, en tant que je, en tant que ma personnalité, j'ai rien à vous offrir, moi. Mais, en dehors de tout ça, ce que je suis là, ben c'est toi.
Donc si tu sais ça, tu ne fais plus jamais de mal à personne. Si tu sais que l'autre, c'est toi, tu ne peux plus le critiquer. Tu ne peux que le prendre dans tes bras, même s'il a fait une bêtise. Parce que tu comprends. Et c'est ça, je pense, le vrai sens de la vie, si on n'a pas... Si l'autre, c'est moi. C'est pardon ? C'est comme un miroir. Si l'autre, c'est moi. Oui. C'est le miroir. Oui. Ben, en fait ce que je viens de dire, là, c'est comme... Si tu comprends que toi, tu es toute l'histoire de la race humaine, ce que tu représentes aujourd'hui, ce que tu es, c'est l'histoire de la race humaine, c'est le résultat de la race humaine. Donc la race humaine, c'est pas toi, ni lui, ni lui, ni lui, c'est toi. Donc ce que tu es, ben, c'est tout le monde. On partage la même conscience. Toutes les pensées qui sont dans ta tête, c'est pas à toi ça, c'est à nous. Tu vois ? Mais on a l'habitude de dire, ah ben ça c'est moi. Je suis une femme, ouais, c'est moi, mets un image, mets un petit crocodile, là. C'est moi, je suis une femme. Là, moi je suis monsieur le président, ouais, c'est moi. Mais en fait, tout ça c'est des constructions. C'est pas... C'est... Mais là, quand tu fais ça, tu t'isoles de l'autre et tu dis je suis différent de toi. Mais on n'est pas différent. Fondamentalement, on est un seul truc. Et si tu peux comprendre ça, je ne sais pas si tu vois l'importance de ça, que ce que tu es, c'est le monde, et le monde, c'est toi. Mais pas comme un truc intellectuel, hein, pas comme un mot, mais comme vraiment quelque chose que tu peux vivre, que c'est un fait, comme une actualité. Dans l'actualité, on dit qu'il y a la guerre en Iran là-bas. Mais c'est un fait ça. Tu es le monde et le monde c'est toi. C'est un fait. Est-ce que tu peux sentir ça vraiment? Parce que si tu sens ça, si tu reconnais ça, si tu vois ça, ben ta vie elle est transformée. Tu n'es plus un Français, un Américain, ni rien. Tu es le monde. Tu es tout ça.